Messieurs, dames, bonjour pour nous toutes. Bienvenue dans Bulletin Sila, un bulletin qui résume divers points qui ont dominé l'actualité pendant ce moment. Membre au Conseil Transition installé dans le ministère Commerce et Industrie, jour qui était lundi 6 février 2023, en présence de plusieurs personnalités publiques, ambassadeur Canada en Haïti, Sébastien Carrière, félicité membre au Conseil Transition pour l'installation. Madame souhaitait un succès dans l'application Feuille de route là pour y dégager un consensus largement large dans mettant acteurs politiques haïtiens, ça qui permet d'organiser l'élection dans le pays. Jerry, jeudi, c'est non un présumé bandit qui tombé dans l'échange coup de zam avec la police lundi 6 février passé à dans bon repos. D'après la police, présumé criminel ça a fait partie gang Canard. Direction centrale police judiciaire DCPJ t'a invité vendredi 10 février à journaliste Lucner Désir alias Louko et Esaïe César, deux animateurs vedettes émission Matin Débat sous Radio Éclair. Ces bureaux affaires criminelles qui t'étendent yo dans cadre d'une enquête cap continuer si nous croyons ça DCPJ fait qu'on a. Suite à démission shérif Abdallah qui en bas sanction pays Canada, ministère affaires étrangères pays Italie annonce la chercher un nouveau consul honoraire pour Haïti. Quant à Israël, Bigio Reven continue remplacer papa Gilbert Bigio. Cependant, dirigeant Israël yo annoncé un processus vérification antécédent toute conseillio. IG Alain Auguste Vini, nouveau responsable direction centrale police administrative DCPA. Installation en fait mercredi 8 février 2023. Nouveau responsable DCPA souhaite joindre collaboration toute policier dans l'idée pour aider combattre phénomène insécurité captaille banda dans le pays. Alfred Fedin, c'est un élève 10 l'année qui perdit la vie dans l'Ianco 7 février passé à en babal bandit dans sa vie à la Tibonite. Élève c'est la mourir après elle fini recevoir un bal marron pendant qu'elle était dans l'école. Bureau communication ministère éducation nationale la condamné Zak Brigadier Sila à attaque qui fait sous diverses écoles dans la commune Ianco. Côté depuis quelques jours bandit exam font fois à ferrailler. Jose Jean-Baptiste, ancien nouveau directeur général Conatel, lui remplacé Jean-Marie Guillaume, qui lui-même était mort dans le pays États-Unis 16 janvier passé. L'autre nomination dans l'administration publique là pendant semaine lancé Marguerite Berthe Marisco, qui nommée comme nouvelle directrice ONA, lui remplacé Diem Leymac Jean-Baptiste. Alix Extiver, alias Petit Chef, avec influenceuse Kimberly Durosier, transférée dans la pénitentiaire nationale. Dans le rapport de CPJ présenté Petit Chef comme deuxième chef gang 257 qui a opéré dans bon Laza Pétionville. Groupe gang Sila, c'est une croix rapport police scientifique là, a déjà fait un pile crime dans Pétionville. Individu moun pas arrivé identifié, touye environ 5 moun ayant fusillade samedi 11 février dans zone Karadé. D'après information, c'est individu dans machine vite teintée qui passait l'ouvrisam sous victime yo qui yo même tap mené activité yo dans yon station moto dans zone nan. Ou commissaire Nations Unies dans affaires droit moun Volker Turk mandat international la pensée voyer rapide vite yon force en Haïti pour aider la police la faire face à violence gang Axamio. Ou commissaire Nations Unies meté yon bout vendredi 10 février dans visite dans pays d'Haïti qui dirait 3 jours dans Ponta Cana pays Saint-Domingue yon haïtien 37 l'année son nom Jean-Maude Fantas mouri en babal vendredi passé pendant yon laissé frapper entre migrants et agents immigration pays voisin de l'autre monde sorti blessé dans cadre incident si là d'après sa journal dominicain Diario Libre rapporté. Voilà, c'est là nous mettons en bout dans bulletin si là toujours été connecté à nous sur toute plateforme RTMIO Radio Télémacien Info tant que Facebook, YouTube et TikTok. Notez pour plaisir pour nous informer. Rendez-vous à moi c'est pour l'autre dimanche pour un autre bulletin.